Griffly. Oui, par contre, ça, 17h. Oui, je veux pas en perdre un deuxième, mec. Donc, après, tu me feras ceci. Ah, lance l'assaut. Donc, on va redescendre à 1. Et on va regarder, elle va normalement attaquer un mur en métal au corps à corps. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on va envoyer notre copine. Qui est où? Donc ça, on va mettre... il me faut une porte vite fait ici. T'es où, tu manges un plat raffiné. Il me faut une porte. 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 Libellule, est-ce que tu mangerais après? Ouais, tu vas manger après, ma belle. Tu vas me faire une porte en ardoise, ici. Mais à mon avis, tu n'auras pas le temps de la faire. Mais tu peux quand même au moins apporter tout ce qu'il y a. On va regarder comment on va faire notre petite demoiselle. Maman! Allez, viens, maman! Viens me faire du mal. Bon, Grizzly. Pose tes trucs. Et je suis obligé de mettre ça en prisonnier. C'est pas grave. Voilà. On met ça en prisonnier. Je vais avoir besoin de toi. Libellule, il me fait ça. Donc, maman est occupée de faire quoi? T'attaques un mur carrément, toi. Insolation mineure. Ok. Donc, mon mur là, pour le moment, il tient bien le coup. On va envoyer quelqu'un le réparer. Complètement. N'est-ce pas, monsieur le chaud? Qu'est-ce que tu peux pas réparer, toi? Pas trop, hein? On va envoyer notre ami ici réparer ça. Alors, tu peux pas réparer, mais tu vas pouvoir réparer tout de suite. Voilà. Comme ça. Et on va dire à Grizzly, viens réparer le mur en métal, mon ami, s'il te plaît. Bien. Attends. Allez, on court. On court, on court, on court. Ah, quel con. Mais qui est con? Mais qui est con? Il est arrivé, c'est plutôt moi qui suis un peu con. Donc, Grizzly, tu vas venir, je vais te mettre ignoré. Et on va te faire venir ici, mon ami. Voilà, on va nettoyer ça. Comme ça, oui, on va la laisser bien pépère, hein. Sérieuse l'insolation maintenant. On va bientôt tomber dans les vapes. Ah, elle veut mettre le feu au plan de coton. Ça, c'est un peu plus gênant. Viens ici, mon ami. Oui, continue à mettre le feu au plan de coton. Tu fais quoi, ma biche? Tu fais quoi, là, maintenant? Tu attaques Grizzly, voilà, c'est ce que je voulais que tu fasses. Grizzly, tu viens ici. Un instant, parce que j'ai pas envie de me faire tout cramer ici. Voilà. Les nids,
Oh, ça c'est cassé maintenant. Bon, ça va, j'ai quand même encore du jus un peu partout, donc on va pour le moment pas trop s'en préoccuper. Mais on va quand même mettre la zone de base. On va agrandir ça. On en aura besoin de toute façon à un moment ou l'autre. Alors, tout ça vient ici. Là. Par contre, ici, il n'y a plus besoin de zone de base. Ici. Voilà. Le chauve, bah, tu vas venir éteindre de feu. Éteins le feu, éteins le feu, éteins le feu. Là, non, tu devrais pouvoir éteindre le feu. Toi, oui, si tu me fais quoi? Tu attaques Grisy, hein? C'est bon, ouais, ok. Ouais. Tu t'es fait mal, mon ami. Petite taillade de couteau. Voilà. Bon, t'es pas encore dans les vapes, toi, ma biche. Attention sérieuse. Allez, on vient par ici. Fait combien là? Allez, vise. Alors, on va réparer le mur. Donc, le chauve libellule. Montre-moi un peu où tu en es. Tu remplaces un composant. Ok. Ici, est-ce que tu as fini la porte? Tu as fini la porte. Donc, pardon, celui-ci, on peut le remettre. Voilà, on les remet dans le mot. Donc, toi, tu fais ça. Ensuite, tu vas venir me refaire un mur. À la limite, tu ne vas pas refaire de mur. Ah, si, c'est un mur là que je vais faire. Ouh. C'est un mur que je dois faire là. Donc on va faire un mur. Une structure. Mur en ardoise. S'il vous plaît. Merci. Le chauve. Tu vas me apporter ceci. Même si tu as faim, c'est pas très grave. Tu vas voir maman qui va te consoler d'ici peu. Car oui, on a tout ce qu'il nous faut pour cela. Ici, tout le monde. Promène-toi, mon ami. Tiens, ben, profites-en, tu vas me récupérer le. Ça. Pas fumer, hein. Ici, je fais ça et je te demande de prioriser le transport. Au moins que tu fasses quelque chose d'intelligent pendant ce temps. Et toi, ma biche, commence. Hop, ça y est, elle est tombée. Alright. Grizzly. Capture. Tout, qui vaut bien le tout. Parfait.
Va chercher maman. Bon, ouais, c'est espérons qu'elle va survivre maintenant. Il faut que ça soit médical. Est-ce qu'elle va survivre à une insommation sérieuse? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Quelle température il fait? 39 degrés. Alors, comment est-ce qu'il est? Commençons mes toits. Ici, j'ai un toit léger. Je pourrais très bien me mettre maintenant une ventilation ici pour les chambres. Est-ce que maman va mourir ou pas? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je n'en sais strictement rien. Est-ce qu'une insolation extrême, elle va pouvoir être soignée de ça? Donc ça, on a fini. Donc on a fait notre mur. Bon. Boum. Alors, maladie grave. Malheureusement, est-ce qu'elle va pouvoir être soignée grâce à ça? Elle a une conscience de 10. Si ça tombe à 0, c'est foutu. Tout le corps, insolation extrême. Ok. Donc, il va falloir réduire la température. Nous allons... Ça, on va le... pas le maintenir ouvert. Non. Non, c'est bon. On va créer une ventilation. Je n'ai que deux. Donc, il me faut... Est-ce que je suis dans le noir? Non, ça va. Okay. Le chauffe, tu fais ce que tu veux, tu cherches un endroit près, bien entendu. Grizzly, tu vas aller là. Toi, tu peux pas soigner, je suppose qu'on ne peut pas soigner. Non, on peut nourrir, mais c'est pas le plus urgent. Tu vas... ouais, tu vas aller soigner Grizzly. Tu soignes Grizzly. Voilà, hop. Et après, tu vas me prioriser ça. J'ai besoin de me mettre un... Alors, toi, tu ne pourriras pas. Ok, pour le moment, ça va. J'étais au bras. Bon, manipulation, 73. Maladie grave. Je ne pense pas que si je ne diminue pas la température, je ne pourrai pas. Donc, on va creuser à quel endroit? Architecte, il va falloir que je creuse, que je mine un truc ici quelque part, comme ici par exemple, là et là. Le toit. Ici, on est sûr. Donc, si je creuse ici, je peux faire un trou là. Donc, on va creuser ici et creuser ici. Voilà. Okay. On va espérer que notre mamie survive. 37 degrés, c'est trop. On est que je la descende. Alors, ça, effectivement, je veux que tu sois raffiné. Et comme ça pour le moment. Alors, j'ai un en plus. J'ai donc deux. C'est pas si je prends ceci, on voit que j'en ai plus. J'en ai donc trois normalement. Deux plus un, trois. Ok. Donc Grizzly. Comment te sens-tu?
T'as une fracture, t'as une fracture. Mais tu peux très bien quand même aller miner mon middle. Alors, toi, tu fais quoi? Tu vas miner de l'ardoise. Donc, tu vas venir miner ici. Tu viens miner ici, ma belle. Désolé, mais j'ai pas le choix. Oh, la résistance, il mille bien. Allez, faut qu'on se dépêche pour pouvoir mettre cet appareil. Alors, il me faut également que j'annonce que je ne veux pas de toi ici. On va tenter le coup, hein. Je suis pas sûr qu'elle va survivre. Stop. Un mariage est prévu. Ne me dis pas que c'est juste maintenant. Ah non, c'est un moment ou un autre. Donc tu me fais quoi là? Tu supprimes un toit, c'est parfait. Je veux maintenant ça. Et je le veux comme ça. Voilà. Toi. Ok, fais-moi vite ce climatiseur. C'est hyper important. On veut soigner maman. Chichi. Ensuite, il va falloir casser ça, bien entendu. Donc, on va démolir ça. Toi. Tu continues. Ici, t'as pas le temps. Jean, t'es où? Tu fais quoi alors? Tu sèmes. Oh, ok, c'est bien, tu peux semer. Alors, toi, t'es à combien? Toi ne pourriras pas, donc ça c'est toujours bon. On va demander à Grizzly d'ailleurs d'aller le faire après. Non. Est-ce que j'ai du métal? J'ai encore un peu de métal, ça va. Donc là, je suis repassé en plus petite vitesse, hein, parce qu'on est. Je peux pas me permettre de. Tu fais quoi? T'as pas mis assez de composants, il y en a deux sur trois, ben dis donc. Le dernier, il est ici. Après, j'en ai plus. Grizzly, t'en es où? T'es à 83%. Il va falloir mettre une zone de mariage. Alors, une zone de mariage, ça va se trouver dans mobilier, loisirs, divers, zone de mariage. Ça sera très bien ici. Et une zone de fête. Voilà. Voilà. Zone de fête. C'est bien, avec une, c'est bien. Ok, ici, je veux que tu me descendes ça, bien entendu, en 21 degrés, c'est parfait. Je vérifie qu'on est bien comme ça, right. Ensuite, j'ai besoin que tu me fasses ça, ma biche, libellule. Tu vas pas semer, tu viens ici, tu m'ouvres ça. Ok, et puis maintenant tu vas me construire une comme ça. Tout de suite. Allez, on continue. On y arrive petit à petit. Combien il fait? 33. Ok, ça diminue. Ça reste un peu la 20, hein. J'aime pas que tu viennes ici, mec.
Alors, Jean, tu fais quoi? Tu dors, hein? Okay. Bon, ça y est. Nous sommes à 31 degrés ici. 31 degrés ici. On va descendre ça. Pourquoi il n'arrive pas à descendre plus bas? Parce que là non plus, je n'arrive pas à descendre plus bas. Alors, Jean, t'as assez... Oh, t'as besoin de dormir, d'accord. Et Bellule, tu veux faire un cheval. Est-ce que tu peux... non, l'arrêter. Jean, est-ce que tu pourrais arrêter ce monsieur? Non. Donc, on va patienter que Jean soit réveillé. Toi, t'as un pépin. Grisly. Non, il faut que ce soit Jean. J'ai pas le choix. Stop. Jean, tu viens... Ici, je veux que tu... Comment faire? Comment je vais faire dans cette histoire? Comment je fais pour le remballer de l'autre côté? Comment je fais pour te remballer? Je veux te conduire. Est-ce que j'ai le droit de te conduire en tant que geôlier? J'ai le droit de faire tout ça. Ben c'est bien emmerdant ça, cette histoire-là. Bon, tant pis. Je peux pas. Bon, tant pis. Excusez-moi. Je sais pas quoi faire. Hein, on attendra qu'il dorme par terre. Hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On attendra qu'il dorme par terre. Espérons qu'elle, elle va tenir. Toujours extrême, ça change rien. Ah, intérieur 28 degrés. Ça, c'est déjà nettement mieux. Ça y est, le chauffe, tu me fais quoi? Tu essayes d'arrêter recrute. Ah, ben tu le fais tout seul. Ben c'est bien. Voilà. Ben, tu vas essayer d'arrêter recruter, oui. Par contre, reste pas dans la porte, effectivement. Alors, la température intérieure est à 27. Ça diminue. On va peut-être la sauver si ça descendait un petit peu plus bas. Il faut que la température descende à 24 là, c'est génial. Et donc, ça devrait descendre à 25 à peu près ici, 26. Voilà, on va arriver bientôt dans la température... de confort. On va descendre de 1. Donc je descends à 25. Voilà, 25. Et on a Wiz qui est sauvé. Mamma mia. Sérieuse. Ok. Ouf. On a sauvé la maman du petit chauve. Et bien sur cette bonne nouvelle, je vais vous laisser et on se retrouve à la prochaine. Ciao.